Bonjour, j'espère que vous allez bien. Là, je vais mettre plusieurs vidéos sur Internet. Et en gros, l'objectif, c'est d'avancer avec ces vidéos pour qu'on puisse préparer le bac à la fin de l'année. Et il faudra aussi transmettre le lien parce que c'est un truc fermé. J'ai fait une chaîne fermée sans publicité, j'espère. Et donc, il faut que tout le monde soit au courant et il faudra, en gros, avancer en même temps, si c'est possible. Et l'objectif, en gros, donc vous allez pouvoir le faire en décalage. J'ai préféré ne pas faire des séances de cours où on est tous assis. Ce serait un peu chaud. Donc là, vous avez votre lien et en fait, vous allez pouvoir bosser comme vous voulez. Mais l'objectif, vraiment, c'est d'arriver à la fin de l'année avec ce qu'il faut comme information. Et je mettrai aussi en même temps sur votre espace École Directe les diapositives et je vais essayer de vous mettre les bilans aussi. Et voilà. Et pour l'ESPE, il y aura à peu près la même chose. De temps en temps, je vous demanderai d'aller vers des logiciels ou des choses comme ça. Comme je vous ai dit, en fait, la plupart du temps, quand on vous donne les connaissances, c'est pas efficace. Et quand on arrive à les construire, à ce moment-là, c'est plus efficace. Donc, quand il y a, bah, imaginons, je fais une référence à des documents et tout, à ce moment-là, je vous conseille d'aller voir, de chercher et de comprendre comment est-ce que ça marche. Et après passer à la suite, quoi. Donc à vous de jouer, c'est ouais, vous vous organisez comme vous pouvez. Et comme je vous ai dit, le plus important, c'est que vous ayez ce qu'il faut comme outil à la fin de l'année. Si jamais ils maintiennent, bon, je pense qu'ils vont maintenir. Hein. Donc si jamais il y a le bac à la fin de l'année, eh bien voilà, faudra être prêt. Voilà. Donc nous, en cours, on s'était arrêté à ce chapitre 4. On avait vu l'évolution, on avait vu la dérive génétique, spéciation. Et en fait, là, dans le chapitre, l'objectif, c'est de montrer que l'homme aussi va évoluer, changer au cours du temps. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de montrer. On avait fait un TP, un premier TP, il y avait le deuxième TP qui devait arriver avec les crânes, mais il n'est pas arrivé, c'est pas très grave. Je vous demanderai d'aller juste sur un logiciel pour voir l'évolution de l'homme. Et en fait, pour expliquer ça, on va d'abord passer par les primates, et puis on va faire la comparaison avec les chimpanzés, qui est notre cousin le plus proche. Puis à la fin, on verra l'évolution de l'homme. Ok? Donc en cours, nous on avait vu qu'il y avait donc l'homme, donc l'Homo sapiens, c'était une espèce qui en fait qui évoluait comme les autres, et donc c'est exactement la même chose. Et avant, il y a eu plein d'espèces dans notre genre, et ces espèces-là ont disparu. Et donc tout comme pour les autres organismes, il y a de l'évolution qui s'applique. Et nous, notre évolution, ça fait partie de l'évolution des primates, parce que c'est notre en gros, nous on a évolué à partir des primates. Okay. Donc nous, en premier, on va essayer de voir la place de l'homme parmi les primates, ce que c'est, de dire donc exactement ce que c'est, les caractériser. À partir de là, donc comme je vous ai dit, on va voir la comparaison entre l'homme et le chimpanzé. Et en fait, on va partager pas mal de choses. Vous allez voir, donc il y a des liens génétiques, il y a des liens par rapport à l'environnement. En gros, il y a l'influence de l'environnement qui modifie et qui crée des espèces différentes. Il y a aussi le comportement. Et il faut savoir que donc on a trouvé des traces, les premières traces de primates, comme je vous ai dit, on les trouve qui datent il y a 65 millions d'années, juste après la disparition des dinosaures. En fait, ça ne ressemblait pas vraiment aux hommes ni aux singes. En fait, c'était donc des animaux qui ressemblaient à peu près à ça, comme sur votre image. En fait, c'était ni les hommes ni les singes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a quelque chose qui est très peu diversifié. Il n'y a pas énormément de primates. Il y a à peu près 190 espèces qui existent. Et bah, je sais pas si on les compare aux insectes où il y a plus d'un million et demi en moins d'espèces connues. Bah, 190, c'est rien, quoi. C'est petit. Et donc la plupart de ces, on va dire, de ces primates, on va dire, sont en train de disparaître. Et en fait, la plupart du temps, c'est à cause d'un autre primate, c'est l'homme qui est à l'origine de ça. Et c'est lui qui va les chasser, qui va donc réduire leur territoire pour avoir, je sais pas, des autoroutes ou des maisons. Et aussi, il y a le braconnage. Donc on va les chasser pour avoir, je sais pas, telle ou telle chose. Je sais pas. Et voilà. Donc les premières traces, donc ça date il y a 65 millions d'années. Et en fait, on a donc quelque chose qui est, comme je vous ai dit, très différent de l'homme et des singes qu'on a actuellement. Okay. Et donc avec le temps, on peut dire que ça s'est diversifié. Donc, il y aura plusieurs critères qui vont nous permettre de dire qu'on appartient à ces primates, et ceux-là, on les avait étudiés en classe.
Et en fait, on va avoir donc le premier caractère, c'est le pouce opposable. Et le pouce opposable, comme je vous ai dit en classe, c'est quelque chose qui est très très pratique. Ça nous permet donc de prendre des objets avec précision et puissance. Et donc le pouce opposable, c'est un des caractères des primates. Et donc tout le monde ne l'a pas. Après, on peut en avoir. Donc ça peut être un état dérivé, ils appellent ça. C'est un état qui apparaît indépendamment de nous. Et donc chez les primates, en tout cas, on trouve tout le temps ce pouce qui est opposable. Et c'est un critère qui est très très important. L'autre critère qu'on avait étudié aussi en classe, c'était la présence des ongles à la place des griffes. Donc on a donc des ongles à la place des griffes, et je ne sais pas si c'est plus pratique ou pas, mais en tout cas c'est un fait. Et donc c'est quelque chose qui existe chez les primates. Okay. Et le dernier point qu'on avait évoqué aussi en classe, c'était les orbites. On a donc les orbites qui sont plus tournées vers l'avant. Et donc ces orbites ont migré petit à petit devant. Et donc tous les primates vont avoir des orbites qui sont plutôt sur la face, donc devant. Et donc voilà. Et vous avez en fait d'autres mammifères qui vont avoir la plupart du temps les orbites qui sont sur le côté. Donc essayez de voir, je sais pas. On pourrait prendre un mammifère. Le premier qui vient, c'est une vache. Là, vous regardez ça, vous verrez qu'il a ses orbites sur le côté. Voilà. Et donc, il y a ce phénomène-là. Et donc, petit à petit, on va avancer. Comme je vous ai dit, il y a ces trois critères. Il faudra les connaître, ceux-là. Et donc, il faudra pouvoir les ressortir un jour. Et donc, nous, on va aussi avoir pas mal de ressemblances morphologiques et anatomiques avec les primates. Il y a énormément de ressemblances. Et aussi, en fait, chez les primates, il y a un répertoire locomoteur, donc les possibilités, simplement pour marcher, qui vont être très variées. En fait, on peut, donc, nous, on peut grimper, on peut marcher, donc il y a aussi des espèces avec deux pattes, la nôtre, par exemple. Et la plupart du temps, chez les primates, la vie sociale est quelque chose qui est assez élaboré. C'est plus, on va dire, complexe que chez d'autres organismes. Voilà. Il faut aussi savoir que parmi les primates, après, il y aura un sous-groupe d'individus qu'on appelle des hominoïdes. Donc, si vous regardez bien sur cet arbre, donc en haut, j'arrive pas à zoomer, donc tout en haut, vous avez un groupe d'hominoïdes. Et donc ceux-là, donc on va essayer de les caractériser petit à petit. En fait, ils vont avoir, vous allez voir, donc ils vont avoir un nez. Ils vont avoir des orbites qui sont fermées, des narines qui sont rapprochées et ils n'ont pas de queue. Okay. Et donc, tout simplement, ces critères-là nous permettent de dire que ce sont des hominoïdes. Et donc, c'est un sous-groupe des primates. Okay. Donc, celui-là, peut-être qu'on peut vous le demander, c'est pour ça que je préfère le préciser. Et donc, dans les primates, nous, l'homme, donc, ça va faire partie des hominoïdes et petit à petit, on va le préciser. Donc vous allez voir, après, on pourra dire que c'est un hominidé. Et voilà. Et donc, comment est-ce qu'on a fait cette classification? Comment est-ce qu'on a pu dire que c'était un hominoïde? En fait, on a fait à peu près la même chose que vous avez fait en TP. En TP, on a fait des arbres, rappelez-vous. On avait, donc, pour construire cet arbre, on avait fait une matrice qu'on avait remplie. Et en fonction de cette matrice, on a pu construire un arbre phylogénétique. Donc là, je vous conseille d'avoir votre TP à côté. Et ce qu'on voit, c'est que pour passer de votre matrice, de votre tableau à l'arbre, il faut partir du plus général, donc des caractères qui sont partagés par pas mal d'individus, vers le plus précis. Et en fait, ça nous permet de connaître les liens de parenté. Donc sur l'arbre, plus ils sont proches, donc, imaginons ici, le plus proche, c'est le bonobo et le chimpanzé. En fait, plus ils vont partager de caractères. Okay, donc, plus ils ont des caractères en commun. Donc, simplement, ils vont avoir un appendice. Simplement, par exemple, si on prend les narines, ils vont avoir ce caractère-là. Les orbites, ils vont l'avoir. Pouces, ils vont l'avoir. En gros, ils vont avoir énormément de caractères qui sont partagés. En revanche, bonobo et tupai, par exemple, ne vont pas partager énormément de caractères. Donc ça nous permet de savoir qui est proche de qui. Donc c'est un moyen simple de connaître
les parentés entre les espèces. Donc ça, il faut le savoir. Bah, tout simplement, on se base sur des critères. Et donc là, on a décidé de sélectionner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 critères. On s'est basé là-dessus pour construire cet arbre. Et donc certains étaient marqués, ont été marqués, ils n'étaient pas choqués. Mais donc, ils se demandaient pourquoi est-ce que le chimpanzé et le bonobo étaient plus proches alors que l'homme était comme assez loin par rapport à ces organismes, en se disant que, en fait, dans notre société, on dit que c'est le chimpanzé et l'homme qui sont très très proches, alors que sur cet arbre, ce n'est pas le cas. En fait, il faut savoir que l'arbre phylogénétique, ça varie en fonction des données. Et c'est ça que j'ai essayé de vous montrer, même si ce n'était pas clair. En fait, en fonction des caractères que vous prenez, vous allez pouvoir construire d'autres arbres phylogénétiques. Et en fait, ça dépend vraiment des caractères. Et en fait, les scientifiques vont prendre un maximum de caractères pour pouvoir faire la classification. Et ils vont essayer d'avoir un arbre plus précis. Donc, si on prend des informations morphologiques, anatomiques, génétiques, avec leurs séquences, par exemple, comme on peut voir ici, donc soit nucléotide et soit acide aminé, à ce moment-là, on peut le préciser. Et donc, si on regarde cet arbre-là, le nouveau, là, il est, encore une fois, donc celui-là, en fait, il a placé bonobo et chimpanzé ensemble, et gorille qui est proche de chimpanzé et de bonobo, et l'homme, il est un peu exclu, il est un peu plus loin. Donc, il y a cette première possibilité. Donc, celui-là, en fait, le tableau que vous avez, c'est le tableau de ressemblance. Rappelez-vous, plus il y a de ressemblance, plus les espèces sont proches. Et si on prend une autre séquence, donc là on a pris les opsines à ce moment-là, donc là on n'a pas placé l'homme, bonobo et le chimpanzé ensemble. Donc c'est une autre donnée qui est prise en compte. Et donc là, encore une fois, je vous projette donc, le globine bêta. Donc si on regarde sa séquence, en fait c'est l'homme, bonobo et le chimpanzé qui sont proches. Donc en fonction des données que vous avez, vous allez obtenir des arbres différents. Et comme je vous ai dit, l'objectif, c'est de prendre un maximum de données pour essayer de faire la classification. Chouette. Et donc, comme je vous ai dit juste avant, dans les primates, l'homme, c'est un hominoïde avec son nez et pas de truffe. Les orbites qui sont fermées, les narines qui sont rapprochées, il n'y a pas de queue. Ça, il faut le savoir. Et donc, l'homme, ça fait partie donc, des 19 espèces de grands primates. Et donc, par exemple, comme le chimpanzé ou l'orang-outan. Et parmi ces grands primates, l'homme, ça va être la seule espèce qui n'est pas menacée. Okay, donc c'est pour le moment celle qui a une vie stable. Et ça, c'est pour le moment. Peut-être que ça va changer avec le temps. Ou alors, ça va changer. Donc on va voir. Entre parenthèses, c'est une blague. La proximité entre le chimpanzé et l'homme. En fait, vous savez que on dit que donc, l'homme et le chimpanzé sont très très proches, et vous allez voir, il y a plusieurs arguments pour le dire, et en fait, le jour J, il faudrait être capable d'expliquer pourquoi est-ce que l'homme et le chimpanzé sont, on va dire, pourquoi est-ce qu'on considère qu'ils sont très très proches, et pourquoi est-ce que c'est notre cousin le plus proche dans l'arbre de l'évolution. Donc on se base sur un certain nombre d'arguments scientifiques. Et c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble, en partie en tout cas, parce que, comme vous savez, il y a énormément de choses à dire à chaque fois, donc il faut qu'on aille à l'essentiel. Et voilà. Une petite pause. Ok. Donc vous allez voir, on va commencer par l'expression génétique, et je vous demanderai, là, juste de passer un tout petit peu de temps sur les documents qui sont à la page 76-77. Vous regardez un peu donc, ce qu'on vous dit. Et l'objectif, en fait, c'est de voir, de découvrir ce qu'il y a comme information. Et après, vous allez pouvoir passer à la suite. Donc, 76, 77, c'est bien ces pages-là. Donc, il faudra juste comparer, en fait, l'expression des gènes chez l'homme et chez le chimpanzé. Pourquoi est-ce que donc, ça va influencer les ressemblances et les différences entre ces deux organismes. OK. Voilà. Donc l'expression génétique, ça va être notre premier point dans la comparaison entre l'homme et le chimpanzé. Et en fait, vous allez voir que les deux sont, donc, les deux organismes vont être différents par rapport à leur expression. Et en fait, si vous regardez le document 1 de la page 76,
Il n'y a presque pas de différence, il y a énormément de ressemblances entre l'homme et le chimpanzé, à plus de 99%. C'est quelque chose qui est énorme, donc il y a énormément de ressemblances. En fait, vous allez voir, c'est pas, donc on ne pourrait pas expliquer ça directement. Donc quand vous regardez bien, vous avez donc cette séquence-là, et dans les chromosomes, bah, tout simplement chez l'homme, on a 23 paires de chromosomes. Chez le chimpanzé, on va avoir 24 paires. Donc, tout simplement, donc, un chromosome supplémentaire qui est arrivé. En fait, comment est-ce qu'on peut expliquer? Donc, il n'y a pas besoin de l'expliquer, mais en tout cas, on le voit qu'à la deuxième position, chez le chimpanzé, on va avoir un chromosome qui est supplémentaire. Du coup, il va se retrouver avec 48 chromosomes. Et voilà. Après, c'est l'expression de cette information qui va faire la différence. Donc, vous allez voir que dans le temps, tous les gènes ne vont pas s'exprimer de la même manière chez l'homme et chez le chimpanzé. Et donc, c'est surtout au niveau du... En gros, on va voir. Je préfère voir l'exemple avec vous, après je vais le préciser. Donc, si vous regardez bien le document 5, dans le document numéro 5, on regarde la comparaison de la chronologie d'expression de à peu près 3075 gènes chez donc, les macaques, les chimpanzés et l'homme. Et donc à ce moment-là, on fait une comparaison. Donc les mêmes gènes, on regarde leur expression parce que rappelez-vous, il y a énormément de ressemblances dans ces gènes-là. Et on essaie de voir est-ce que ça s'exprime de la même manière. Parce que s'ils sont là, en fait, ça ne veut pas dire que ça s'exprime toujours de la même manière. Voilà. Et donc. Ce qu'on voit, c'est que bah, y a pour une partie de gène, il y a donc, l'expression qui est retardée chez l'homme par rapport au chimpanzé. Donc c'est en haut à gauche. Okay, donc, ça, c'est le graphique qui est en haut à gauche. Et après, il y a d'autres gènes où l'expression sera accélérée par rapport au chimpanzé. Donc il y aura donc, une expression plus intense. Et voilà. Et donc les deux graphiques en bas vont vous montrer que une chronologie où l'expression est identique chez l'homme et chimpanzé par rapport donc, au macaque. Okay. Et en fait, même si, donc ce qu'on peut en conclure de là, c'est que même s'il y a énormément de ressemblances dans les gènes, l'expression, donc la chronologie d'expression des gènes, n'est pas la même. Donc ça ne va pas se faire sur donc, la même durée, sur la même période. Et donc, c'est ça qui va faire la différence. Donc, déjà, il y a des différences à ce niveau-là. Donc, différence au niveau de l'expression des gènes. OK ? Donc, ça, c'est l'idée qu'il faudra retenir. Et donc, comme je vous ai dit, l'homme et le chimpanzé sont très, très proches. Et bah, tout simplement, ce qu'on voit, c'est que quand vous allez zoomer sur le document 1 qui est sur votre document, vous allez voir qu'il y a énormément de ressemblances. Ici, sur l'image, c'est tout ce qui est violet et tout. Donc après, ce sont des additions, des inversions, donc des modifications, donc des mutations qui vont changer les séquences. Okay, donc il y a beaucoup de ressemblances. Et comme je vous ai dit juste avant, c'est l'expression dans le temps de ces gènes qui va changer, donc qui va faire la différence entre l'homme et le chimpanzé. Sinon, on aurait la même espèce. Dans ce deuxième point, on va essayer de voir le développement embryonnaire et les ressemblances morphologiques. Donc c'est une grosse sous-partie. Et donc vous allez voir, il y a beaucoup de ressemblances par rapport à ça. Et puis donc, le développement embryonnaire va expliquer une partie de ces ressemblances. Après, je vais vous demander aussi de passer un tout petit peu de temps sur les documents qui sont à la page 78-79. C'est ça qui va être utile dans cette partie-là. Et donc voilà. Donc ici, tout en haut, nous, on voit, donc c'est le temps qui passe. Donc vous avez le temps semaine au début, après le temps en année. Et en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on compare les différentes phases de croissance chez l'homme, chez le chimpanzé. Donc le chimpanzé en haut et chez l'homme donc, en bas. Donc, il y a plusieurs phases. Donc, si vous regardez bien la phase embryonnaire, le temps, donc, on va passer à, je sais pas, à faire des mitoses et à se développer dans le ventre de sa maman.
Donc, cette phase embryonnaire, est quelque chose qui est allongé chez l'homme, si vous êtes d'accord. Donc, regardez bien, c'est la partie orange, c'est quelque chose qui est plus lent. Donc, on va passer plus de temps à faire le développement embryonnaire. Et après, donc, ce que je vais vous demander, c'est de regarder la position avec la petite flèche verte du trou occipital. Et ce qu'on remarque, ce qui est assez particulier quand même, c'est que avant la naissance, l'homme, en gros, le crâne de l'homme et le chimpanzé se ressemblent énormément. Okay. Après, donc, la vie fœtale, ça ne change pas trop. Et donc, la vie fœtale, c'est presque pareil, mais comme je vous ai dit, donc il y a le développement qui se fait avant la naissance, c'est quelque chose, donc c'est un peu plus allongé chez l'homme, avec la phase embryonnaire qui est plus importante. Donc, phase fœtale, ça ne change pas trop, c'est presque pareil. Et voilà. Après, donc il y a la phase, tout simplement, en fait, sur cette phase embryonnaire, je vais donner un peu plus de précision. Il faut savoir que c'est pendant cette phase embryonnaire que se mettra donc en place les neurones. Donc, en fait, avoir cette phase embryonnaire qui est plus allongée, c'est quelque chose qui est important pour nous parce que comme ça, on peut avoir plus de neurones qui vont en fait se mettre en place par des mitoses. Si jamais elle est trop courte, en fait, on n'aura juste pas le temps d'en construire assez. Et donc, vous savez que par rapport à notre crâne, on a un volume crânien qui est plus important chez l'homme que chez les chimpanzés. Et ça, c'est grâce à cette période embryonnaire où il y a beaucoup de neurones qui vont se développer et qui vont se mettre en place. Okay? Donc, on a quelque chose qui est beaucoup plus lent. Donc, on a tout simplement, cette période sera 4 fois plus longue et du coup, on aura 4 fois plus de neurones dans le temps. Dans le cerveau. N'importe quoi. Ok ? Voilà. Et donc, ce trou occipital, petit à petit, si vous regardez, donc, il va migrer un peu à l'arrière chez le chimpanzé. Nous, il va rester à la même phase. Après, donc, il y a la naissance qui va arriver. Et après la naissance, regardez bien. Donc, tout simplement, ce qu'on peut remarquer, c'est que donc, pour la phase lactéale, ce n'est pas quelque chose qui est énorme, c'est juste allongé chez l'homme, ça prend plus de temps. Et ce qui est intéressant, c'est la période de croissance. Donc la période de croissance qui est beaucoup plus importante chez l'homme, en fait, on a donc, une croissance qui peut aller jusqu'à 20 ans, alors que chez le chimpanzé, sur le graphique, ça s'arrêterait à peu près à 13, 12 et demi ou 13 ans. Donc on a quelque chose qui est allongé. Et tout simplement, donc, pendant cette phase de croissance, vous allez voir, c'est le membre inférieur chez l'homme qui grandit en fait. Le membre inférieur, c'est les pieds. Donc du coup, si on regarde, si on se compare par rapport au chimpanzé, on va avoir donc, le membre inférieur qui est quand même très très allongé. Okay. Voilà. Et après, donc, ce qu'on voit, c'est que donc, il y a, comme je vous ai dit, les crânes qui se ressemblent, un trou occipital qui va migrer chez les singes à l'arrière du cerveau. Nous, il va rester au même endroit. Il y a autre chose qui sera marquant, c'est le prognathisme. Et donc, c'est assez, on va dire, c'est la mâchoire. C'est comme chez les chiens, la mâchoire qui est avancée. Chez l'homme, qui n'avance pas trop, alors que chez le chimpanzé, ça va migrer. Et donc, voilà. Donc, à partir de ces informations, donc, il y a un développement chez l'homme qui est un peu plus lent. En fait, cette période avant la naissance avec la phase embryonnaire et après la naissance avec la phase de croissance, sera un peu plus ralenti chez l'homme. Ça prendra, donc en gros, on prendra plus de temps. Et surtout, c'est important pour le cerveau pour mettre en place les neurones. Et voilà, et donc on a quelque chose qui était un peu plus important chez l'homme. Ça, on l'a dit, on l'a bien expliqué. Et en fait, il faut savoir que nous, on vit dans un environnement qui est un peu, on va dire, protégé. Et donc, du coup, on peut se permettre de grandir lentement. Et alors que chez les chimpanzés, qui vont vivre dans un milieu un peu plus hostile, il faudra faire la croissance beaucoup plus rapidement. Okay. Et voilà. Donc, si on regarde la comparaison, si on fait une comparaison morphologique, donc comme je vous ai dit, il y a beaucoup de ressemblances quand on regarde. Donc, si on compare un chat avec un homme, il y a des ressemblances, c'est vrai, mais un peu moins marquées que si on fait la comparaison des singes avec l'homme. Et en fait, on va comparer
les squelettes. Regardez bien, donc on a à peu près la même chose. Vous allez voir, il y a quelques différences, mais globalement, il y a énormément de ressemblances. Et donc voilà. Bah, tout simplement, si on regarde les bassins, ouais, il y a beaucoup de ressemblances. Ces bassins-là, on va y revenir plus tard. Pour les pieds, nous, on n'a pas de pouce opposable sur le pied, même si ce serait beaucoup plus pratique ou pas. Ouais, ce serait certainement plus pratique. Peut-être que si on grossirait ça, peut-être qu'on pourrait écrire avec des pieds au cas où la main est fatiguée. Vous voyez, ça pourrait être utile. Mais bon, donc on n'a pas ce caractère-là parce que nous, on marche et on a besoin d'avoir un orteil qui se met en mode turbo, en propulseur. Et voilà, donc il y a beaucoup de ressemblances. C'est ça que je vais vous dire avec ces images-là. Après, le trou occipital. Donc regardez bien chez vous, si vous vous mettez debout là, vous allez voir votre tête va rester en équilibre. Donc elle ne va pas pencher ni en avant ni en arrière. Et chez le singe, chez le chimpanzé, en fait, regardez bien sa position, où est-ce qu'il se trouve ? Il se trouve à la fin, à l'arrière. Donc si vous étiez en classe, j'aurais la réponse. Là, on est obligé d'imaginer que vous m'avez répondu. Et donc voilà. Bref, donc il y a ce trou occipital. Donc en fait, ça permet de simplement faire passer la moelle épinière dedans. C'est là où il y a l'emboîtement avec la colonne vertébrale. Et le chimpanzé, par rapport à l'homme, c'est quoi la différence? C'est qu'il ne marche pas sur les deux pieds. Lui, il a... Il marche à quatre pattes et tout simplement, donc, il a pas besoin d'avoir ce trou occipital qui est au centre. Donc, en revanche, pour rester en équilibre, vous allez voir, il aura besoin de muscles, pour un peu plus de muscles dans le cou. Parce que si on avait, on va dire, la tête qui était penchée avant, on aurait, je sais pas, une crampe tout le temps à cet endroit-là. Et donc, avec document 1 de la page 78, ce qu'on peut en retenir, c'est que donc, les crânes des fœtus de l'homme et le chimpanzé se ressemblent énormément. Il y a énormément de ressemblances. Le trou occipital va migrer à l'arrière chez le chimpanzé. La mâchoire donc va croître, c'est-à-dire que la mâchoire va avancer chez le chimpanzé, alors que chez nous, il va rester un peu à sa place. Et la taille des canines et tout, qui vont être plus développées chez les chimpanzés. Et les bourrelets susorbitaires, voilà. Simplement, c'est les bourrelets qui sont juste au-dessus. Des yeux. Chez certaines personnes, c'est un peu plat. Chez moi, c'est un peu plus marqué. Voilà. Marqué dans le sens où c'est un peu avancé. Donc, ça dépend des personnes. En fait, tout simplement, c'est assez rigolo, mais on pense que quand les singes nous regardent, ils nous voient un peu comme leur bébé, même quand on est adulte. Donc, on est un peu leur bébé parce que pour eux, c'est comme si on était resté à l'état embryonnaire non, mais en gros juste après la naissance, donc, ouais, c'est comme si on n'avait pas grandi, ok, et voilà. Donc. Et il faut savoir que donc, chez nous, en fait, il y a la bipédie qui va rester, alors que chez le singe, ça va disparaître. Donc je peux pas refaire toute la vidéo à cause de ça. Bref, pour l'échange. Ok. Et donc, chez l'homme, aussi, il faut savoir, comme je vous ai dit, il y a la croissance du squelette qui va être maintenue au cours du temps. Ça va être plus lent, presque 20 ans, alors que chez les chimpanzés, ça va s'arrêter beaucoup, beaucoup plus tôt. Et voilà. Et en fait, tout simplement, la maturité sexuelle va arriver plus tôt aussi chez les chimpanzés. Et rappelez-vous, c'est important parce que donc ça permet de se reproduire dans un milieu où c'est pas stable. Nous, il suffit, je sais pas, même s'il y a le coronavirus par exemple, il suffit qu'on reste enfermé chez nous, on peut survivre. Et le chimpanzé, c'est un peu différent. Donc, lui, il vit sur des arbres, il y a des lions et des trucs comme ça qui traînent à côté. Et voilà, on se fait manger. Donc ils n'ont pas intérêt à traîner dans leur développement. Il faut qu'ils soient efficaces. Voilà. Et il faut aussi savoir que. Donc il y a des différences, différences et ressemblances par rapport à l'environnement. Et ce qui est particulier chez nous, c'est que donc, chez les chimpanzés et l'homme, c'est qu'on va utiliser des outils, et surtout chez l'homme. Et donc ces outils on va réussir à les transmettre. Donc quand on a donc, des savoirs, on les transmet. Chez donc, les différents groupes, nous, à l'échelle humaine, donc aujourd'hui, par exemple, là, c'est ce que je suis en train de faire,
j'essaie de vous transmettre quelque chose qu'on m'a transmis. Donc il y a tout ce processus d'apprentissage qui se fait entre les différentes générations. Et chez les chimpanzés, ça se transmet aussi, même si c'est un peu moins marqué. Qui sont encore, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, certainement en train de casser des noix avec son caillou. Voilà. Donc il y a cet environnement qui va influencer leur développement à ces individus. Et en fait, c'est quelque chose qui est un peu plus marqué chez ces groupes, chez l'homme et chez le chimpanzé, par exemple. Et aussi, il faut savoir qu'il y a le langage qui est assez marqué, surtout chez nous. Et donc, c'est quelque chose qui est illustré dans le document 4 de la page 79. Dans ce document 4 de la page 79, on vous donne, on vous propose un film qui est inspiré d'une vraie histoire qui est arrivée dans les années 1800. C'était un garçon qui a été jeté dans la forêt, dans le bois de l'Aveyron. L'Aveyron, pour ceux qui ne savent pas, c'est dans le sud. Et donc, il a été jeté dedans. En fait, il a grandi. À partir de ses 4-5 ans, il a grandi tout seul. Et en fait, il n'a pas appris à parler ce qu'il avait appris. Je pense qu'il avait, en gros, tout ce qu'il a fait dans son enfance, il a oublié. Donc, il n'avait pas réussi. Il n'avait pas appris à parler. Et en grandissant, il a été. Donc, il y a un médecin qui s'est occupé de lui. Et il a fait énormément d'efforts en essayant de lui apprendre à parler. En fait, simplement, il n'a pas réussi. Et s'il n'arrive pas, ça veut dire que l'apprentissage, ça se met en place quand on est jeune, au cours de l'enfance. Donc l'apprentissage de la langue, ça se mettra en place au cours de l'enfance. Et en fait, après, si on ne fait pas l'effort, bien, il n'y a pas, en gros, ça ne pourra pas se mettre en place. Donc il y a un petit côté génétique, c'est vrai, mais c'est surtout culturel. Et donc voilà, chez l'homme, c'est assez marqué. Donc il y a une transmission de culture qui va se faire entre les individus. Donc voilà. Donc, en fait, tout simplement, le phénotype chez l'homme et chez les singes, ça va se mettre en place pendant le développement embryonnaire, ça va se mettre en place après le développement, après la naissance. Et donc, ça dépend de l'expression de l'information génétique, ça on l'a vu. Et voilà. Donc, il y a l'environnement qui va intervenir aussi. Et donc, l'homme et le chimpanzé vont partager un ancêtre commun, donc, et qui est assez, on va dire, récent par rapport à d'autres organismes. Si vous prenez un autre exemple, avant c'était quoi? C'était donc, les vaches. Ben, en fait, il va être plus récent que celui-là. Et en fait, notre ancêtre commun est daté d'il y a à peu près 6 à 7 millions d'années. Donc il y a une divergence de deux lignées entre l'homme et le chimpanzé. Et en fait, quand on dit qu'on descend du chimpanzé, quand on voit, vous voyez, l'arbre là, on voit ce que j'en ai, ouais, celui-là, on voit qu'il y a le chimpanzé qui évolue pour donner un homme. Et donc ça, c'est quelque chose qui est faux. On a juste un ancêtre commun qu'on a partagé et qu'on date il y a 6 à 7 millions d'années. Et en fait, c'était ni un singe, ni un homme. En gros, ça ne ressemblait ni à un chimpanzé, ni à un homme. C'était autre chose. On ne sait pas ce que c'est. Pour le moment, on n'a pas de données. Et voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est à nuancer. Il faut juste savoir qu'on a un ancêtre commun. Ça, c'est important. Et c'est pas forcément un chimpanzé, donc on ne descend pas vraiment du chimpanzé. On a juste un ancêtre commun avec lui, et peut-être que ça ressemblait à un homme, et en fait cet homme a évolué pour devenir chimpanzé. Donc certains y croient vraiment, et ils travaillent, parce que en fait, les chimpanzés, ce seraient un peu des animaux qui ont eu des maladies, en fait. C'est, je ne me rappelle plus, je crois que c'était un syndrome d'Asperger, ou un truc comme ça. Donc que ce serait des... C'était un peu des individus qui avaient développé un fort autisme. Voilà. Donc ça, c'était une possibilité. Mais voilà. Est-ce que... Ouais. Pour la suite, je pense qu'on va s'arrêter là, pour cette vidéo-là. Après, je mettrai la suite. Si jamais c'est pas clair, il faudra me dire. J'aurai un peu plus de précision. N'hésitez pas à m'écrire. Il n'y a pas de souci. Et petit à petit, en fait, je les mettrai en ligne en espérant que ça marche et en espérant que c'est quelque chose qui est assez clair. Sinon, on pourra
faire des vidéoconférences à un moment précis, et même si ça, ça me paraît un peu plus compliqué. Voilà, bon courage à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Lâchez des pouces bleus et amusez-vous bien. À tout bientôt.